Hey, 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 vous reprendrez bien un peu de paranormal, juste une petite tranche. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite maison, enfin non, une grande maison que j'ai construite exclusivement en live sur Twitch avec les abonnés à la sortie du kit paranormal. Donc c'est une maison, comme vous avez pu le voir, à Dax extérieur, elle fait un peu abandonnée, elle fait un peu fissurée, elle fait un peu pas trop entretenue, elle fait un peu peur. Mais à l'intérieur, c'est extrêmement cosy et adorable et vous avez envie d'y habiter et c'est surtout très coloré. Le kit paranormal a été mis énormément en œuvre dans cette maison, du coup vous allez revoir beaucoup le même meuble, par exemple je pense au petit meuble qui pourrait faire office d'armoire mais qui est plus une console de salon où on peut poser des trucs dessus. Il s'agit bien sûr d'une maison hantée, vous l'auriez compris. C'est parti pour la visite de cette belle maison, comme vous pouvez donc le voir, un aspect extérieur un peu simple, mais quelques fissures visibles. Et on voit bien qu'à travers les fenêtres, il y a de la lumière. Et s'il y a de la lumière, c'est qu'il y a de la vie. Et s'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. C'est parti donc pour la visite de cette maison où on doit passer un très très grand et beau portail. Je peux vous dire que j'ai un peu abusé pour le jardin des bugs. Comme vous pouvez le voir, on a des planches ici qui barrent les fenêtres. J'ai voulu donner cet aspect ici pour donner un aspect un peu abandonné, un aspect genre n'entrez pas, ce n'est pas pour vous. L'effet est incroyable et vraiment sympa. C'est une planche qu'on trouve dans le debug. Il suffit ensuite de la monter devant la fenêtre. Et le tour est joué. Bien sûr, la porte n'est pas barrée parce que sinon, comment les Sims qui y vivent pourraient en sortir? On entre donc dans l'entrée qui est ici. Elle est belle, elle est joyeuse et comme vous pouvez le voir, on a utilisé le beau papier peint du kit paranormal, la petite commode, la lampe et bien sûr quelques décorations d'autres packs. Alors à la base, j'aurais voulu faire une maison seulement au kit paranormal et jeux de base, mais après avoir râlé et cherché très très longtemps, demandé à ceux qui étaient là sur le live, et ben on a conclu que j'allais mélanger plusieurs packs parce que sinon j'allais jamais arriver à trouver ce que je voulais en termes de portes, de sol et d'objets divers et variés. On va commencer par la cuisine, qui est une cuisine encore assez ancienne. Elle n'a pas été rénovée, contrairement à d'autres pièces de la maison. Du coup, vous avez encore les petites briques qui sont de l'extérieur à l'intérieur. Et les meubles sont plutôt verts. Ouais, ouais, c'est un peu typiquement la cuisine de grand-mère qui n'a pas été rénovée. Le carrelage aussi, il est spécial, mais sympathique. En tout cas, ça donne de la couleur. Nous avons ici la petite table avec les chaises du kit paranormal, le buffet du kit paranormal et quelques petites autres choses. De côté de l'entrée, nous avons ici donc toujours la commode, la plante, la lampe et un joli portrait d'un Sims masculin. Nous allons pénétrer ici dans la salle à manger. Si vous connaissez bien le kit, vous allez reconnaître pas mal d'objets puisque nous avons le sol, le luminaire, les chaises ainsi que les rideaux, le papier peint. C'est déjà pas mal. Ici nous avons un bureau avec, eh ben, écoutez, le bureau, la chaise et la petite table qui sont du kit. Pas forcément mis beaucoup de technologie comme un ordinateur, mais libre à vous si vous prenez la maison dans la galerie de les ajouter. Donc, nous avons une très belle grande table pour y faire dîner 6 personnes. C'est une grande maison quand même, on peut vous le dire. Avec ici un joli pianal pour jouer et enchanter les invités. Un fauteuil pour regarder de plus près, une belle lampe. Des très beaux rideaux avec pampilles et un peu le coin musique. Sur le côté de la salle à manger, nous entrons dans le salon. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas, moi j'adore ces couleurs très fortes et très vives qui se mélangent. Je trouve que ça donne un charme vraiment particulier à la maison. Nous avons donc les canapés qui sont dans les tons roses, un peu prunes, un peu violet, avec le bleu vert turquoise qui est très fort aussi dans cette pièce. Du coup c'est hyper coloré et ça rend ça très très vivant, c'est le contraire de l'extérieur où en fait on croit que tout est mort quoi. De l'autre côté de la salle à manger, nous avons ici une pièce bien inquiétante, bien sombre, mais bien cosy quand même. C'est la salle de spiritisme, comme vous pouvez le voir. Les habitants de cette maison ont un péché mignon, celui d'invoquer les esprits et autres créatures surnaturelles. Et cette petite pièce est dédiée avec, bien sûr, la main qui permet de contacter Guidry et compagnie et les portraits de Guidry ici et là, avec, bien sûr, le cadre d'une jolie maison hantée. Dans l'entrée, je vais vous emmener
au fond ici, comme vous pouvez le voir. Il s'agit donc d'une salle d'eau avec baignoire et toilette. D'ailleurs, je me rends compte que mes rideaux ont sauté. Sachez que pendant la construction de cette maison et la décoration, ce fut épique, puisque la plupart du temps, j'avais toujours quelque chose qui sautait, un meuble, une fenêtre, une porte, tout le temps. C'est-à-dire que même en construction, la maison était déjà hantée, quoi. De l'autre côté, et dernière pièce de ce rez-de-chaussée. Oh, attendez, il y a bien une porte ici. Alors, j'ai peur, soit je me dis qu'il y a encore des objets qui vont sauter. Une porte cachée sous l'escalier, mais qu'est-ce qu'elle cache? Oh, bah elle cache un petit peu de bric-à-brac avec un gnome fantôme et un autre qui veut voler votre âme, vous la faucher. Dernière pièce ici, du rez-de-chaussée, c'est sûrement ma pièce préférée de la maison. C'est le jardin d'hiver entièrement vitré avec un toit semi-en verre et énormément de plantes. Moi, je pourrais y vivre ici tranquillement, vous mettez un PC et la fibre et je vis très très bien dans cette pièce. Passons maintenant à l'étage, puisque nous arrivons sur le palier de ce premier étage. L'ambiance est toujours un peu bleutée avec quelques décorations et quelques plantes. Et je vais vous faire découvrir toutes ces portes. Première chambre ici, c'est la chambre parentale. Cette pièce et cette chambre, je la trouve absolument magnifique. C'est des couleurs très douces et on a envie de rester là et de rester un petit peu confiné dans son lit là, tranquillement. C'est juste très très beau, c'est bleu et mauve et j'adore les couleurs. J'ai choisi de mettre un lit du pack Monde Magique puisque ça se mariait très très bien avec l'allure de cette maison. Il y a aussi un balcon, vous pouvez venir admirer la vue. Alors nous sommes à Glimmerbrook, si vous vous posez la question, c'est donc la ville qui vient avec le pack Monde Magique. Une jolie décoration avec évidemment les magnifiques fauteuils ici que j'adore, ils sont vraiment superbes. Et attenante à la chambre, une salle d'eau privative. Nous avons donc toilette, évier et derrière ce paravent, une jolie baignoire. À côté de cette chambre principale, nous avons une chambre beaucoup plus petite qui est la chambre, une petite nurserie où vous pouvez voir ces tons rouges un peu plus chauds et nous avons donc un perso. À côté, vous avez un lit de bambin où il y a quelques déchirures parce qu'en fait le bambin, quand il s'ennuie, qu'il dort pas, il déchire le papier peint. Ah oui, moi toujours, il y a toujours une histoire dans mes maisons. Donc cette chambre est toute petite et il y a quand même un clown triste qui fait peur pour les enfants. Donc comme ça, s'ils font des cauchemars, on saura pourquoi. Quelques objets, quelques jouets. Prochaine chambre ici, elle est lumineuse. C'est une chambre jaune avec un pseudo baldaquin, c'est vraiment le genre, le type de lit que j'adore. Sinon cette chambre, elle est jaune, elle est blanche et elle a aussi du noir pour associer tout ça. Moi je la trouve vraiment sympathique, très mignonne avec un très très grand miroir. Sur le palier ici nous avons un espace avec les jeux d'échecs pour pouvoir, eh bien pourquoi pas, s'entraîner et ne pas trop s'ennuyer dans cette maison s'il n'y a rien à y faire aux alentours. Dans la petite décoration ici avec toujours les tableaux du kit paranormal, un autre tableau ici qui a été ajouté, un petit lama tricoté avec le kit tricot. On continue par ici où nous avons une autre chambre, cette fois-ci on est dans une chambre rose. Elle est très douce, très jolie également, vous voyez que vous avez un peu d'intimité puisque ici vous avez un paravent, un fauteuil, une plante, un grand miroir, comme ça vous pouvez faire vos essais de vêtements sans être vu depuis le couloir. Et un très beau lit qui vient avec Vampire dans les tons roses. Cette chambre rose et grise est vraiment adorable. Et elle est aussi dotée d'un balcon. Dernière chambre après la chambre rose, c'est celle-ci. Vous pouvez le voir, cette chambre est dans les tons bleu-vert. Elle est aussi très très belle. On a fait le parti de prendre que des meubles blancs pour cette occasion où il y a deux lits simples. Donc c'est parfait, si vous avez des jumeaux, on sait jamais, vous pourrez les caser là-dedans. Cette chambre est quand même très très grande, très spacieuse, il y a beaucoup de choses. Et ils ont cette chance d'avoir une mini salle d'eau privative où vous avez un lavabo ici. Et derrière ce rideau, une douche. Voilà, comme ça vous pouvez vous laver tranquillement sans avoir peur d'être vu. Et comme il y a quand même deux chambres, voire trois avec la chambre de bambin, qui n'ont pas de salle de bain attenante, nous avons donc une salle d'eau ici. Comme vous pouvez voir, nous avons toilette, baignoire et lavabo, tout simplement. Pour ceux qui l'auraient remarqué, évidemment, on a vu ici qu'il y avait un escalier qui menait
bien au grenier, hein, plutôt à l'étage supérieur, qui, vous allez voir, n'est pas très très meublé. Peut-être qu'il est hanté également. À ce deuxième étage, il va y avoir des petites choses bizarres qui rentrent, comme ça, c'est une décoration du toit à l'extérieur qui est rentrée à l'intérieur. J'ai choisi d'aménager cet espace alors que ce n'était pas forcément prévu, puisque comme vous, si vous avez vu mon tuto pour faire les manoirs, vous savez comment je fais les toits. Et du coup, bah, c'est un étage qui est bonus, donc vous n'êtes pas obligé de le meubler, mais là, on a choisi de le meubler, puisque j'y ai installé une chambre pour mon ami Martial, qui voulait absolument vivre dans le grenier. Il n'a pas été déçu. Il y a bien des fenêtres dans ce couloir, mais les fenêtres, en fait, sont derrière les toits. Donc, ça apporte de la lumière en journée. Ici, c'est le soir, quand je filme. Mais, disons qu'on ne voit pas à travers, en fait. Donc, c'est parti pour visiter le deuxième étage. On va aller visiter tout de suite cette pièce ici, qui est une pièce, comme vous pouvez le voir, plutôt artistique. C'est ici que, éventuellement, vous pouvez faire une chambre ou un atelier d'artiste, si vous voulez l'exploiter. Ici, vous avez une toute petite salle d'eau. Un petit peu abîmé, un petit peu pas au goût du jour, hein. J'ai vraiment voulu exploiter cet étage, mais dans le sens où ben, c'est un peu vieux, un peu défraîchi, et pas, voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez derrière. D'ailleurs, quand vous sortez de cette salle de bain, vous avez des traces un peu bizarres de caca sur le plancher. Dans ce couloir ici, il reste encore deux pièces. Nous avons une grande pièce ici, qui est du coup, ben, comme vous voulez voir, un peu foutoir, un peu de tout et n'importe quoi. Donc libre à vous, évidemment, de la rénover. Dernière pièce. Et non des moindres, vous pouvez peut-être y loger votre majordome si vous ne l'aimez pas beaucoup. Moi, j'ai voulu faire une très grosse blague à mon ami Martial. Pour le loger dans cette chambre, il était dégoûté. Mais écoutez, c'est la vie. Il voulait habiter au grenier. Il habite au grenier. Voici la magnifique chambre qu'il y a à cet étage. Elle est incroyable, elle est superbe, avec tout le confort, hein. Vous avez un superbe lit de camp, vous avez quand même un petit tapis, vous avez, bon, il y a eu un petit dégât des eaux, où on sait pas trop ce qui s'est passé, hein. Il y a un magnifique champignon qui a poussé, les fenêtres ont des barreaux, parce que, bah, non seulement on voit pas le jour à travers, on voit pas dehors, mais en plus vous avez même pas le temps de les ouvrir et d'y passer, c'est vraiment pas de bol. Mais vous avez quand même un petit gris-gris ici, histoire de vous porter chance. Voilà pour l'intérieur de cette maison, maintenant je vais vous faire visiter tout simplement l'extérieur avec le jardin. Nous voilà donc à l'extérieur de la maison, devant même la maison où nous avons cette très très belle boîte aux lettres. C'était la seule qui pouvait coller un peu au style, donc on l'a mis ici. On a un lampadaire qui est tombé par terre, hein, on se demande pas ce qui s'est passé. Beaucoup de rosiers à moitié morts, et des planches, et beaucoup de ronces, et des arbres morts. Ça donne pas très envie, et c'est fait exprès pour ne pas avoir envie de rentrer dans cette maison. Si vous osez franchir le côté de cette maison, vous arriverez donc à cet espace de jardin. Ouh, bien sûr, à part quelques petits bosquets de sapins inquiétants et de ronces qui veulent vous attraper les pieds, de rosiers à moitié morts, vous avez cette petite crypte, cette espèce de caveau familial qui sent un peu, voilà, qui sent mauvais, qui en plus a deux espèces de gobelins un peu à l'extérieur qui vont vous agresser. Si vous avez le courage, vous pourrez la visiter. Au fond du jardin, on peut voir des tombes, dont une qui a été creusée récemment, que quelqu'un y a posé une rose. Mais devant cette crypte, et encore plus récent au niveau des tombes, nous avons ici une tombe avec un cercueil qui n'a pas encore été recouvert, donc... Ou alors, est-ce peut-être un habitant de la maison qui dort ici la journée pour ressortir le soir? C'est très très beau, il y a la lune qui est sortie là, qui est derrière les pins. Je trouve ça très très beau comme ambiance, ça donne envie. Et derrière la maison, vous pouvez voir ici un petit coin tranquille pour y boire le thé ou une limonade. Si les beaux jours arrivent à transpercer le monde de Glimmerbrook, vous avez une très belle vue sur l'arrière de la maison. Et en face du jardin d'hiver que l'on peut voir ici, vous avez, eh bien, une tombe ici et une autre tombe là. Ah, la terre a été remuée récemment également. Et voilà, c'est tout pour la visite de cette maison, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch puisque c'est gratuit pour pouvoir assister au live construction, au live Sims, au live Not So Berry ou Legacy qu'on fait exclusivement sur Twitch et tout autre jeu, un peu de gestion, un peu d'horreur que je fais sur Twitch. Et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera et qu'on vous expliquera comment fonctionne Twitch si vous ne connaissez pas. La maison est disponible dans la galerie, bien sûr, mon ID Origin est Agent Shirley. N'hésitez pas à y mettre un petit mot également, ainsi que sur la vidéo. Hein, on like, on partage, tout ça, c'est bon pour l'algorithme YouTube. Et merci à vous d'être toujours là pour me soutenir et me regarder. Je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.
Ciao.